Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons encore une fois nous retrouver sur cette chaîne Évangile TV, right now, pour la grande conquête. Et nous y sommes. Hallelujah. Franchement, j'ai l'honneur aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de vous communiquer quelque chose de la part du Seigneur. Je crois véritablement que quelque chose est en train de bouger dans les Caraïbes. Alléluia! Je crois véritablement que quelque chose est en train de bouger aux États-Unis. Je crois véritablement que quelque chose est en train de bouger au Canada. Alléluia! Et tous ceux qui nous regardent sous ce fuseau horaire, d'accord, vont véritablement être impactés. Alléluia! Donc ne manquez sous aucun prétexte ces émissions, car aujourd'hui, encore une fois, Dieu va vous parler, Dieu va vous communiquer quelque chose. Je suis le frère Benjamin. Et pour ceux qui ont l'habitude de regarder Évangile TV, vous avez peut-être pu m'apercevoir, en fait, intervenir sur différentes émissions, comme Prayer Bomb, par exemple, et d'autres, bien évidemment. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Alléluia, ce n'est pas un hasard. Alléluia, sur le chat, tu peux mettre « ce n'est pas un hasard ». Alléluia, je crois véritablement que quelque chose est en mouvement. Alléluia, l'Esprit de Dieu est en mouvement, l'Esprit de Dieu est en train de faire son œuvre, d'accord, dans votre zone géographique. Alléluia. Donc déjà, bonsoir à tous et à toutes qui sont en train de nous rejoindre et qui ont soif de Dieu, parce que ce rendez-vous divin est pour les assoiffés de Dieu. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Je suis vraiment, vraiment content d'être là. Vous n'imaginez même pas quelle joie est dans mon cœur en ce moment à l'idée de pouvoir vous communiquer véritablement cette parole. Amen! Parce que je crois véritablement que des leaders vont émerger. Une semence de leadership va être plantée dans nos cœurs ce soir. Alléluia! Malade Satiangere de Salanesha. Ouh, Seigneur, merci. Merci pour ces moments, mon Père et mon Dieu. Seigneur, merci parce que je crois véritablement que toutes les personnes ici connectées sont sous l'influence de ton Saint-Esprit, ô Dieu. Seigneur, merci pour l'essor et l'expansion de ton évangile, Père éternel, à travers le monde. Merci, Père, parce que tu touches de nouveaux horizons. Seigneur, merci là où, Père éternel, l'homme pensait déjà, Père éternel, avoir découvert, Père éternel, tous les terrains, Père éternel, toutes les terres, Père éternel, de ce globe, Père, merci. Parce que tu nous montres, Père éternel, qu'il y a de nouvelles terres à conquérir, des terres spirituelles. Seigneur, merci, parce que je crois au nom puissant de Jésus, que cette conquête, Père éternel, qui est déjà amorcée, est en train, Père éternel, de bouger, Père éternel, les nations, Père éternel, les différents groupements de personnes, Père éternel, qui t'entendent et qui t'écoutent aujourd'hui, ô Dieu. Seigneur, merci. Pour toutes les personnes, Père éternel, qui sont là, assoiffées, qui demandent, Père éternel, à te voir, à te rencontrer. Père éternel, certains ne te connaissent pas. Certains te connaissent un peu. Certains pensent te connaître. Certains veulent aller plus loin avec toi. Seigneur, aujourd'hui, Père éternel, tu donnes du pain, Père éternel, à celui qui le demande, du poisson, Père éternel, à celui, Père éternel, qui t'en fait la requête. Seigneur, de l'eau, Père éternel, à celui qui est assoiffé. Père, merci. Tu donnes tout type d'aliments. Tout type, Père éternel, de nutriments pour que nous puissions être énergisés dans notre esprit. Seigneur, merci pour que nous puissions être renforcés, Père éternel, dans notre être intérieur. Seigneur, tu nous communiques aujourd'hui. Seigneur, merci. Quelque chose de particulier, quelque chose d'unique. Merci Seigneur parce que ta grâce se manifeste aujourd'hui. Merci mon Seigneur et mon Roi, Père éternel, parce que tu multiplies, Père éternel, les canaux de bénédiction, Père éternel, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as parlé, Père éternel, à ces grands pionniers, Père éternel, et tu les as envoyés. Seigneur, merci, et tu les as envoyés pour conquérir, et tu les as envoyés, Père éternel, pour amener, Père éternel, un mouvement particulier.
particulier, une révolution, Père éternel. Là où, Père éternel, la régression, Père éternel, voulait, Père éternel, s'abattre, Père éternel, nous amenons une révolution. Nous amenons, Père éternel, quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose d'impactant. Seigneur, merci. Parce que tu communiques, Père éternel, quelque chose aujourd'hui. Père éternel, afin que celui qui était faible devienne fort. Que celui qui n'était pas un leader devienne un leader. Que celui, Père éternel, qui manquait d'assurance, Père éternel, comme il est dit dans ta parole, dans le livre de Proverbes, Père éternel, tu donnes de l'assurance, Père éternel. Parce que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Seigneur, merci. Parce que nous avons de l'assurance. Oh oui, nous avons de l'assurance, Père éternel. Parce que nous venons à ta rencontre, Père éternel, nous avons de l'assurance. Nous venons devant le trône de grâce, alors nous avons de l'assurance. Nous venons vers toi, alors nous avons de l'assurance. Par notre espérance est en toi. Notre espérance est en toi. Notre espérance est en ta parole. Merci Seigneur, parce que notre parole et cette prédication n'est pas basée sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant, Père éternel, sur ces contrées. Souffle maintenant, Père éternel, sur ces villes. Souffle maintenant sur ces individus. Père, merci, parce que je crois au nom puissant de Jésus, parce qu'il y a une explosion de miracles et de prodiges qui s'opèrent. Père éternel, au sorti de cette émission, Père, merci, parce que je crois que plus personne ne reste au même niveau, au même stade, Père éternel, parce que tu viens ouvrir les yeux des aveugles aujourd'hui, Seigneur. Merci, tu viens, Père éternel, remplir, Père éternel, les ventres de celles qui étaient stériles, Père. Tu viens, Père éternel, convaincre celui qui était sceptique, Père. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute incrédulité, Père éternel, tout esprit d'incrédulité, Père éternel, est nul et sans effet. Satan, tu as échoué. Dans ta mission, tu as échoué. Pas avec les enfants de Dieu. Tu as échoué dans le nom puissant de Jésus. Tu ne toucheras pas au oint de Dieu. Seigneur, merci, parce que tu emmènes, Père éternel, de la fraîcheur, Père éternel. Tu emmènes de la fraîcheur, Père éternel, un rafraîchissement. Merci, Père, pour la rosée. Seigneur, merci. Que cette rosée, Père éternel, qui vient rafraîchir tes enfants aujourd'hui. Merci parce que ce soir, Père éternel, nous tous à l'unisson qui sommes connectés, Père éternel, pour ton nom, pour la gloire de ton nom. Non, Père éternel, pour la gloire d'une personne. Non, pour la gloire, Père éternel, d'une entité, mais pour ta gloire seule. Alors, Seigneur, nous t'invoquons, Père éternel, en ce lieu. Seigneur, nous t'invoquons, Père éternel, afin, Père éternel, toi seul puisses prendre, Père éternel, position là où il y a l'eau. Position dans nos vies. Seigneur, merci parce que cette conquête, Père éternel, c'est toi, Père éternel, qui nous a envoyé, Père éternel, de faire de toutes les nations des disciples. Alors, Seigneur, je crois que tu suscites, Père éternel, même celui, Père éternel, en qui personne ne croyait. Oui, toi qui me regardes et qui est peut-être, Père éternel, qui est peut-être en proie à la drogue ou peut-être à des addictions. Dieu est en train de te parler. Dieu va t'envoyer. Dieu va faire de toi un faiseur de disciples, un faiseur de miracles. Dieu va faire de toi un puissant prédicateur. Je ne sais pas à qui s'adresse cette parole, mais si tu te sens concerné, c'est que c'est toi. C'est que si tu te sens concerné, c'est que c'est toi. Hallelujah. Oh, mon Seigneur et mon Roi. Merci, mon Seigneur. Merci, oh Dieu. Ouh, regardez. Aujourd'hui, ce soir, est le dernier jour de tes afflictions. C'est le dernier jour de tes afflictions. C'est le dernier jour de tes afflictions. Pendant que je préparais ce moment pour vous et que le Saint-Esprit me conduisait à préparer mon message, le Saint-Esprit m'a convaincu d'une chose, c'est de véritablement déclarer des paroles sur toutes les personnes ici présentes, c'est-à-dire toutes les personnes qui veulent véritablement avancer. Laissez-moi vous dire en fait que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
c'est que le Seigneur, en fait, a mis une deadline au jour de vos afflictions. Alléluia! Il a mis une deadline. Il a mis une deadline sur les loyers impayés. Il a mis une deadline. Il a mis une deadline. Et cette deadline, c'est aujourd'hui. Et cette deadline, c'est aujourd'hui. Mais dans le chat, c'est aujourd'hui. C'est ce soir. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais que vous puissiez le mettre, en fait, dans les différentes langues, en fait, de vos zones géographiques. D'accord? Dans les différentes langues. C'est-à-dire que si c'est en anglais, tu peux mettre « It's tonight », ok? Si c'est en créole, martiniquais ou guadeloupéen, ou même haïtien, vous le dites dans votre langue, d'accord? Bon, pour les Québécois, vous le dites en français. Hein? Ne commencez pas à aller dans les choses compliquées. Non. En Christ, il y a la liberté. Mettez ce que vous voulez. je vous taquine tout simplement. Parce que franchement, l'accent québécois, parfois, me rend... m'étonne. Mais on vous aime car vous êtes véritablement des personnes qui vont impacter votre environnement et changer la face de ce continent et même de ce pays et même de ce continent. Alléluia. Alléluia. Il y a une deadline. Alléluia. Cette deadline, c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Rabba setele de chokorodo. Seigneur, merci. Rada sente libro son torobo shanta rababa setele de sambra de kere de so manda la bachetere de santa raba kere de se maraba sente de beson torobo kanda la da se marada sente le de shanta raba maraba sente le de santa raba gion torobo. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme une personne en fait qui subit comme des violences au sein de son foyer. D'accord? Tu subis comme des violences, en fait, et tu n'arrives pas, en fait, à développer véritablement ta personnalité. Je te vois comme une personne, en fait, qui est véritablement renfermée sur toi-même. Parce que c'est bizarre, je voyais timide, mais en même temps extraverti. Et en fait, pendant que j'étais en train de sonder, je voyais vraiment, en fait, que tu étais une personne qui, en fait, au final, qui était tout simplement très renfermé sur toi-même, mais tu donnes l'image d'une personne extravertie, d'accord? Peut-être même que tu côtoies en fait parfois des églises et même parfois on t'invite parfois même à des réunions de prière ou à des GR, notamment sous le ministère ACER, et tu donnes l'image comme si tout allait bien. Mais il y a des choses en fait dans ta vie dans lesquelles en fait tu es encore sous le joug de la peur, des violences, d'accord, au sein de ton foyer. D'accord? Je suis en train de te dire en fait que Dieu va te rendre hardi. D'accord? Dieu va te rendre courageux. D'accord? Dieu va te rendre courageuse. Dieu va faire en sorte en fait qu'il va exercer tes mains au combat. Non pour rendre les coups, mais pour détruire la semence en fait de la violence au sein de ta famille. Parce que je vois comme d'autres membres de ta famille en fait qui subissent ces violences-là. D'accord? Je vois des personnes qui sont dans des cadres familiaux où il y a beaucoup de violence, en fait, non seulement verbale, mais physique. D'accord? Et je suis en train de te dire que le Seigneur, en fait, a mis une deadline sur ces choses, en fait, et il l'a amené. Il est en train d'amener un autre mouvement. Il est en train d'amener une autre dynamique. N'en veux pas à ces personnes. N'en veux pas à ces personnes qui t'ont fait du mal. Je suis en train de te dire, en fait, que la semence, la puissance du pardon est en train d'être libérée dans ta vie afin que tu ne puisses plus retenir, mais que tu puisses, en fait, maintenant être celui, en fait, qui donne et qui donne la parole de Dieu, qui met une atmosphère nouvelle dans ton foyer. Je suis en train de te dire que tu vas changer ton foyer. Tu vas changer l'atmosphère de ton foyer. Tu es le leader de ton foyer. Dieu t'a placé dans ce foyer pour changer les choses. Dieu a placé ton foyer, t'a placé dans ce foyer pour pouvoir, en fait, amener la réconciliation des pères et des fils. Pour amener en fait quelque chose en fait de plus excellent que ce que tu es en train de vivre. Je suis en train de te dire que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Malada sete le de chata là-bas. Mozolo dosere mazandali aneneme sendaladaze. Oh Seigneur. Seigneur, merci. Makarabaso kamarade sete le de. Ok. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais parler à une personne. Tu vas à l'église où tu cherches Dieu, ça fait près de 8 à 9 mois. Et c'est comme si, en fait, ce que tu cherchais, en fait, c'était l'amour. Parce que tu n'as pas ressenti cet amour-là, en fait, de toute ta vie. Tu as comme un fardeau, en fait, au-dedans de toi, en fait. Tu as comme, tu ressens comme un rejet de la part des gens. Et parfois, par le passé, et même pendant cette période-là, tu as été tenté, en fait, d'aller voir le sexe opposé pour pouvoir, en fait, soit flirter et avoir de l'attention. Parce que tu as besoin, en fait, d'amour, en fait, au-dedans de toi. Tu as besoin de ressentir cet amour-là. Je suis en train de te dire, en fait, que le Seigneur est en train de mettre dans ta vie une personne qui est indispensable. Une personne qui est indispensable, et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit se mouvoir au-dedans de toi. Et il est en train de... Il va combler, en fait, les vides. Il va combler les manquements. Mais tout d'abord, tu dois en fait comprendre le renoncement à soi. Tu dois comprendre en fait que tu dois renoncer à certaines choses pour acquérir de nouvelles. Alléluia. Beaucoup de personnes... Regardez, il y a des personnes... Vous avez dépassé comme... vous êtes en train de dépasser la trentaine. Je vois 29, à partir de 29 et plus. Vous êtes comme en train de dépasser la trentaine. Et je vois comme si, en fait, vous étiez dans une période où vous cherchiez, en fait, à vous marier. Et à chaque fois, en fait, que même quand vous êtes en train de parler, même avec des frères et sœurs, vous sentez que ça ne matche pas, où il y a toujours un problème. Regardez. Tant que vous n'avez pas tué la personne au-dedans de vous, vous n'avez pas tué la chose au-dedans de vous, vous ne pourrez pas prendre une personne et la mettre dans votre vie. Tant que vous n'avez pas, en fait, tué, tant que vous n'avez pas tué ce qui est vivant, vous ne pourrez pas, en fait, prendre une personne et la voir à vos côtés. Souvent, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque ces choses-là. Et je suis en train de vous dire, en fait, que Dieu est capable de tout. Ne stressez pas parce que peut-être que vous êtes peut-être un peu plus... Vous pensez être un peu plus avancé. Il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. Tant que vous, en fait, espérez en Dieu, vous n'avez rien à craindre des regards et rien à craindre, en fait, de parfois la pression sociale qui peut peser sur vous. Voyez-vous? Si vous espérez en Dieu, il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous serez surpris. Alléluia. J'ai une parole aussi pour une personne qui a à cœur, en fait, de gagner des âmes. Mais tu ne sais pas comment faire. Laisse-moi te dire, reste connecté à cette émission. Regarde, ne rate aucune grande conquête. Et tu verras, il y a une foi spéciale qui va t'être communiquée pour pouvoir gagner massivement des personnes. Je vois vraiment comme une personne, en fait, au Canada. C'est comme si, en fait, ça fait à peu près depuis... c'est la première fois que tu regardes La Grande Conquête. Et tu as été impacté, en fait, par le séminaire qui a eu lieu. D'accord? Et tu as vraiment ressenti la présence de Dieu et tu veux vraiment avancer avec Dieu. Tu avais déjà certaines bases chrétiennes, mais là, il y a comme une révolution qui s'établit dans ton âme. Laisse-moi te dire, tu es qualifié pour être un pionnier. Tu es qualifié pour être quelqu'un, en fait, qui va bouleverser les nations, transformer les vies, changer les cœurs, changer véritablement la face des nations. Laisse-moi te dire qu'il y a une onction spéciale qui t'est réservée. Et si tu crois que c'est toi, dis « c'est moi ». Alléluia, dis c'est moi. Alléluia, quelque chose est en train de se passer. Alléluia, something is happening. Alléluia. Gloire à Dieu, je vais rentrer dans le cœur de mon message. Je vais commencer mon message. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Ok. Gloire à Dieu. Ouf.
Le titre de mon message, c'est « La grâce des pionniers ». Amen. La grâce des pionniers. Amen. Pourquoi ce message? Pourquoi la grâce des pionniers? Alors déjà, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un pionnier. Amen. Alors, il y a plusieurs définitions du pionnier. D'accord? Un pionnier, d'accord, c'est une personne qui est la première à se lancer dans une entreprise, dans un mouvement, dans une œuvre. D'accord? Et qui fraye le chemin. D'accord? D'après le Larousse, c'est la définition d'un pionnier. D'accord? Donc, c'est la première personne. D'accord? Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas exactement vrai. Ok? Ce n'est pas exactement ça. Et on va se pencher sur la première définition, d'accord, qui a été donnée par le Larousse. D'accord? C'est un soldat employé aux travaux de terrassement. Initialement, c'est ça un pionnier. Un pionnier est un soldat. Alléluia, mets dans le chat, soldat. Un pionnier, c'est un soldat qui est envoyé, d'accord? C'est un soldat qui est envoyé, d'accord? Qui est envoyé et employé aux travaux de terrassement. Alléluia. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est les travaux de terrassement? C'est quoi ça? C'est quoi les travaux de terrassement? D'accord? Les travaux de terrassement, c'est tout simplement, en fait, le fait de pouvoir, en fait, défricher comme un champ, d'accord? Défricher un terrain, plutôt, d'accord? Ça consiste vraiment principalement à creuser et combler des trous. Alléluia! Ça consiste à creuser et à combler des trous. Alléluia! Ça veut dire quoi? En fait, oh my God, eh Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, un pionnier, c'est quelqu'un, en fait, qui va creuser. C'est un soldat qui va creuser. Son but, en fait, c'est d'abord de défricher, de creuser. D'accord? Premièrement, il défriche. C'est-à-dire qu'un pionnier, c'est quelqu'un qui arrive dans un endroit. Si cet endroit, en fait, était sale, il le rend propre. D'accord? Si cet endroit était lugubre, il le rend somptueux. Si cet endroit, en fait, était dans les ténèbres, il amène la lumière. Je suis en train de te dire que le pionnier, c'est celui qui se positionne pour être la lumière là où il y a les ténèbres. Un pionnier, c'est quelqu'un, en fait, qui va également, en fait, creuser. Amen. Il creuse à partir du moment, en fait, où le terrain a été déminé. À partir du moment où la menace a été écartée. Alléluia. Mais pour écarter une menace, il faut tout d'abord aller à la bataille. Alléluia. Pour écarter une menace, il faut d'abord, en fait, combattre, en fait, des ennemis. Alléluia. Avant de pouvoir, en fait, transformer, changer un endroit, il faut que tu puisses prendre possession de l'endroit. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Un pionnier doit avoir la capacité de combattre les adversaires, les opposants du travail pour lequel il a été envoyé. Lorsque on va envoyer les 12 espions, d'accord, quand on va envoyer les 12 espions, dont Josué et Caleb, les 10 espions parmi les 12 vont envoyer un mauvais rapport. Ils vont dire non, le terrain est trop miné. Ils vont dire non, le terrain est compliqué. Oh Moïse, là où tu nous envoies la Canaan, là, c'est compliqué, oh, c'est dur, oh, c'est compliqué. C'est une terre où il y a des géants. C'est une terre, en fait, où il y a des bêtes bizarres. C'est une terre
qui va abriter des personnes, en fait, qui vont représenter une menace. Les 10 espions, en fait, vont véritablement montrer, en fait, que non, en fait, le travail là, c'est trop dur. Le travail là, c'est trop compliqué. Le travail là, ça va être compliqué, ça va être dur. Non. Oui, il y a séminaire, mais tu sais, c'est dur de ramener des âmes. Non, mais un tel ne voulait pas venir parce que sa mère était au travail, donc il devait garder des enfants. Non, mais non, en fait, non, je ne peux pas faire grandir le GR parce que je ne connais personne. Non, c'est trop compliqué pour moi de venir au GR parce que j'ai un taf à mi-temps. J'ai un travail, en fait, qui va me prendre, en fait, du temps. Je ne peux pas évangéliser, je ne peux pas gagner des âmes. Parce que ma mère ne veut pas que je sois chrétienne. Il faut que tu comprennes quand même, Respo. Je ne peux pas, en fait, gagner des âmes. Parce qu'en fait, je ne peux pas être si impliqué. J'ai mon diplôme à avoir. J'ai mon master à faire. Au final, je suis même venu dans ce pays. Je suis venu au Canada, aux États-Unis, pour faire mon master, pas pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, comprends quand même que je ne peux pas. On va regarder dans Nombre chapitre 13. OK. Nombre chapitre 13. Et vous allez voir, en fait. Parce que là, je suis en train de citer des choses. J'aimerais, en fait, vous imaginer ça. D'accord? Est-ce qu'on peut afficher Nombre chapitre 13 au verset 13? Non, au verset 1. D'accord? Pour ceux qui sont déjà à la page. OK. L'Éternel parla à Moïse, d'accord, et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » OK, continuons. « Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. » Regardez, stop. Regardez, on revient. Tous étaient quoi? Chefs. Tous étaient chefs des enfants d'Israël. Tous étaient leaders. OK, allons-y. Et on va voir que parfois on pense qu'un pionnier, c'est un leader. Non, non, non. Un pionnier, c'est un certain type de leader. Un pionnier, c'est un super leader. Regardez, voici leur nom. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur, ou Zakur, comme vous voulez. Pour la tribu de Simeon, Shaphat, fils de Hori. OK. Pour la tribu de Juda, Caleb, OK, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issacar, Jigual, fils de Joseph. Regardez, si on les nomme là, c'est qu'ils sont importants. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Michael. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vophsi. Pour la tribu de Gad, Geuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, par le midi. Et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre. S'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Alléluia. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Juste pause. Regardez. Vous savez pourquoi Moïse va demander à prendre les fruits? Parce que les fruits déterminent si la terre, en fait, sur laquelle ils s'aventurent est une terre qui est fertile ou non. Si c'est véritablement ce que Dieu leur avait promis. C'est pourquoi, en fait, lorsque Dieu nous regarde,
D'accord? Et lorsque nous serons devant le trône de, enfin, devant le tribunal de Christ, d'accord, nous aurons, en fait, tout sera éprouvé par rapport aux œuvres, c'est-à-dire nos fruits. D'accord? Les fruits parlent beaucoup plus, en fait, que les choses qui peuvent impressionner ou autres. D'accord? Lorsqu'on regarde à un homme, on regarde aux fruits qu'il porte. On continue. Ils montèrent et ils explorèrent le... Ok? Ils montèrent par le Midi, ils allèrent jusqu'à Hébron. Ok? On peut passer ça. Verset 22. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de... Ok? On continue, on passe. D'accord? On donna... Ok? On peut passer encore. Ils furent... Voilà. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. D'accord? Donc, un mois et demi. Alors, arrivés, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kadès, dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport. Ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Ok, ça c'est une bonne nouvelle quand même, non? Ils disent « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. » Les villes sont fortifiées, très grandes, d'accord? Nous y avons vu des enfants d'Anak. Alléluia, c'est-à-dire des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. Pourquoi Caleb fit taire le peuple? Parce qu'en fait, ils ont montré les fruits. Ils ont montré les apports et maintenant ils vont montrer les inconvénients. Oh, lorsqu'on est en conquête, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin en fait d'entendre que il y a en fait des contraintes. Je ne dis pas que les contraintes sont mauvaises ou que les difficultés en fait sont mauvaises, mais je suis en train de dire qu'il y a une manière, il y a un langage qui incombe à la conquête. Il y a un langage qui incombe à un pionnier. Alléluia. Alléluia. Il y a un langage qui incombe à la conquête. Alléluia. Et si tu veux ce langage également, dis ça, c'est mon langage. Le langage de la conquête. Ok. Est-ce qu'on peut aller au verset 28, s'il vous plaît? Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont... Ok. 29. 30. On a déjà vu ça. Ok. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Vous voyez? Regardez, il commençait en fait... Parce que regardez, parfois en fait, on s'arrête sur ça, vous pouvez le laisser afficher. Je vais simplement faire une petite aparté. Parfois en fait, lorsqu'on est en conquête, on est content parce qu'il y a des choses qui sont véritablement très impressionnantes en termes de fruits, en termes d'apport. Et parfois, on met tellement au devant en fait les contraintes qu'on se dit non, par rapport aux contraintes, ça ne vaut pas le coup. Par rapport en fait aux ennemis, ça ne vaut pas le coup. Et parfois, notre vision peut être obstruée par les contraintes, par les « je ne peux pas aller au GR parce que ceci, je ne peux pas faire ceci parce que cela, je ne peux pas contribuer à l'œuvre parce que ceci ». En fait, là où tu es une personne qui peut apporter quelque chose, même si les contraintes de ta vie parfois te font croire que parfois nous grossissons. En fait, nous grossissons les rapports, nous grossissons en fait les contraintes qui sont dans nos vies, nous grossissons en fait les problèmes parce qu'en fait on veut parfois tellement en fait que les choses soient faciles pour ce que Dieu nous a promis que lorsque nous voyons des contraintes, en fait ça affaiblit notre foi. Mais regardez ce qui est dit, Caleb, un excellent leader, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce que quand tu vois les contraintes et que Moïse va commencer à te dire, ton leader va te dire, non, on y va quand même. On va quand même aller à Alberta pour aller prêcher. Même s'il y a deux personnes, on va quand même aller prêcher. Oui, mais Alberta, c'est quand même loin. Mais on va quand même aller à Alberta. Prends ta voiture. Oh, mais le pasteur veut toujours qu'on puisse aller dans des endroits où il n'y a personne. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Tu ne sais pas ce que... En fait, tu ne sais pas la parole qu'a reçue le pionnier. Tu ne sais pas en fait la vision en fait qu'a reçu le pionnier de la part de Dieu. Moïse, c'est lui qui parlait face à face avec Dieu. Il savait que ce pays était le pays
que Dieu leur avait promis malgré ce qui se passait. Et Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, parce que Caleb, en fait, était un leader qui avait en lui la vision de Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Continuons. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et souvent, en fait, nous commençons quelque chose et nous l'arrêtons parce que nous pensons que les contraintes sont plus fortes. Ok, on peut continuer. 32. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Alléluia. Des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous y étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et on va s'arrêter à là. Parce que sinon, l'histoire va être très longue. Parfois, en fait, nous avons un leader. Nous avons, en fait, des personnes, en fait, qui ont une vision avec laquelle, en fait, ils marchent. Et nous devons, en fait, parfois comprendre là où Dieu nous emmène. Amen. La grâce des pionniers consiste, en fait, à voir en avance les contraintes, effectivement, mais également passer au-dessus. Beaucoup de personnes ont raté certaines choses parce que parfois, nous mettons en avant les choses qu'on ne devrait pas, en fait, et on grossit parfois les problèmes. Parfois, les inquiétudes viennent à nous parce que nous grossissons les problèmes et on dit en fait que non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas en fait être pasteur, je ne peux pas être prédicateur, je ne peux pas être enseignant. Regarde-moi, j'ai peut-être 2 mois de conversion. Comment veux-tu que je puisse gagner des âmes? J'ai des personnes en fait que je connais, d'accord? Des personnes même que sûrement vous connaissez, je ne vais pas citer de nom, mais qui sont très influents dans la chrétienté, d'accord? Et qui évangélisent dans les rues, d'accord? Et qui ont très vite gravi les échelons, en fait, même dans le ministère, etc. Parce qu'ils avaient une vision. Mais si vous les aurez vus à 2 mois de conversion, ce n'est pas du tout, en fait, la personne que nous voyons aujourd'hui. Voyez-vous, lorsque nous allons à la conquête, en fait, grandit de fur et à mesure que nous-mêmes nous investissons en nous et nous grandissons. Alléluia. Le problème, c'est que les 10 espions n'avaient pas grandi auprès de Moïse. Ils avaient beau être chefs de leur tribu, mais ils n'avaient pas grandi dans la vision de Moïse. Aujourd'hui, en fait, il y a une conquête qui est en train de se mettre en place. Là où vous êtes, là où vous nous regardez, vous regardez cette émission, il y a des églises, des missions qui sont en train de naître. Et vous devez vous attacher à la vision. Vous devez vous attacher, en fait, aux choses, à la vision, en fait, à cette grande conquête qui est en train de s'abattre, en fait, sur vous. Parce que sinon, si vous faites comme les 10 autres espions, vous allez, en fait, faire des mauvais rapports. Lorsqu'on va dire on va à la guerre, vous allez faire partie des poltrons. Vous savez, les pionniers, ce sont des personnes, en fait, comme je l'ai dit, en fait, qui sont comme des Josué et des Caleb. Des personnes qui ne vont pas, en fait, se dire que, purée, on a tellement de difficultés. Vous savez, dans une conquête, parfois, il y a des moments où nous sommes désemparés par les aléas et les bâtons que le diable met dans nos roues. Mais je suis en train de vous dire, comme Josué, je suis en train de vous dire que vous allez sortir vainqueur. Vous allez sortir vainqueur, quelles que soient les situations. Parce que le délai d'expiration a commencé aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, la deadline de tes problèmes est en train de se manifester et tes problèmes sont en train de disparaître et vont être pulvérisés ce soir par l'onction du Saint-Esprit, parce que le Seigneur a oint cette émission, ce moment, pour qu'il y ait une délivrance
véritablement dans ta vie, afin que tu puisses être libéré des contraintes, libéré de « oui, mais je ne peux pas parce que ceci ». Et en fait, je suis en train de parler à quelqu'un en fait, qui, pendant que je suis en train de parler, tu vois comme la foi grandir. Pendant que tu vois cette foi en fait se manifester, n'hésite surtout pas. Pose un acte correspondant à ta foi par rapport à la parole, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui est en train d'être, de se manifester. Tu es en train en fait de recevoir cette foi, cette grâce qui est attachée aux pionniers. Alléluia, ceux qui sont capables en fait de se démener, de se battre en fait pour une mission, de se battre pour une vision, pour se battre en fait pour la vision que Dieu leur a donnée, mais de se battre aussi pour la vision de leur Père. Alléluia, la vision en fait de ceux en fait qui les nourrissent spirituellement, qui les ont emmenés dans cette conquête. Alléluia, Josué et Caleb étaient ceux qui étaient proches de Moïse. Regardez, pour preuve, Moïse va donner un nom à Josué qui s'appelait Osée. Il faut un niveau de proximité pour pouvoir faire ça. Vous comprenez? Parfois, en fait, nous ne comprenons pas en fait, la portée d'une conquête. La conquête va comprendre en fait, des contraintes. La conquête comprend des contraintes. Et ces contraintes sont liées parfois, comme vous l'avez vu, à l'environnement, mais il peut être lié aussi à l'état intérieur de chaque individu qui constitue la conquête. Parce que la conquête ne se fait pas. En fait, Moïse n'aurait pas pu explorer ça tout seul. Il faut qu'il envoie des espions. Laisse-moi te dire en fait que peut-être qu'en fait que ton Moïse est en train de te dire certaines choses et parfois ça peut te frustrer, mais laisse-moi te dire que c'est pour l'avancée de la conquête. Parce que Dieu va transformer ta famille, Dieu est en train de transformer ta ville, Dieu est en train de transformer ta nation. Alléluia! Alléluia, gloire à Dieu. Merci mon Père et mon Dieu pour ton esprit qui est là. Regardez, et ces travaux de ces soldats qui viennent faire des travaux de terrassement, d'accord, comme je vous ai dit, ça consiste à creuser, d'accord, ça consiste à creuser, mais avant tout il faut déblayer, d'accord, déblayer les doutes. Avant de s'attaquer au travail, il faut déblayer les doutes. Il fallait que Josué et Moïse motivent les troupes avant que on puisse conquérir Canaan, d'accord. Sans Josué, Caleb et Moïse, d'accord, des véritables pionniers, ils n'auraient pas pu en fait motiver et tout simplement dissiper les doutes. Parfois, il y a des doutes qui peuvent arriver parce qu'il y a des contraintes personnelles, comme je l'ai dit. Mais je suis en train de vous dire en fait que ces choses doivent être défrichées. Alléluia, ces choses doivent être défrichées, doivent être enlevées. Alléluia, de vos pensées, les pensées de doute, de crainte, de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, est-ce que ceci, est-ce que cela. Laissez-moi vous dire que vous êtes en train d'être embarqué dans cette conquête, cette grande conquête mandatée par le Seigneur Jésus lui-même, qui a lui-même envoyé ce ministère à CER pour pouvoir toucher vos foyers, toucher vos vies, toucher les nations, afin que la plante de nos pieds touche un sol, nous l'aurons en héritage dans le puissant nom de Jésus. Si tu es là et que tu fais partie en fait de cette grande conquête, où que tu sois, que ce soit au Canada, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, laisse-moi te dire, hein, il y a des pionniers en fait qui sont envoyés pour toi. Et toi-même, en qualité en fait de personne en fait qui rentre dans cette vision, toi-même tu es qualifié pour être un pionnier. Parce que souvent, la définition du pionnier, c'est quelqu'un en fait qui vient en premier. Mais nous allons voir que ce n'est pas forcément ça. Alléluia. Regardez. Ce travail de terrassement consiste à creuser également. Lorsque tu creuses, creuser, en fait, signifie tout simplement travailler. Mais tu creuses comment? Le pionnier chrétien creuse comment? Il ne creuse pas la terre, d'accord? Il va creuser dans la prière, il va travailler, d'accord? Il va creuser, il va travailler, il va prier, alléluia. Une conquête se fait avec un esprit fort, un esprit qui prie, qui est connecté à Dieu, qui a activé la loi de la pneumaconnectivité, donc la capacité à un esprit à rentrer en contact avec l'esprit de Dieu, d'accord? Et la prière va vous aider à tenir ferme, excusez-moi, même dans les moments difficiles.
La prière va libérer la foi pour que lorsqu'il y a, il y aura en fait des choses en fait qui voudront attaquer votre foi pendant ces temps en fait de mission, ne puisse pas en fait tout simplement prospérer, ces choses ne puissent pas prospérer, d'accord, dans vos cœurs, d'accord. Et donc vous devez creuser, d'accord. Parfois vous devrez creuser dans votre environnement, poser des actes de foi, d'accord, qui vont libérer la foi des autres. Parfois vous devrez creuser dans votre caractère, d'accord, pour pouvoir vous former, d'accord. Et il y a aussi le fait de, le travail de terrassement consiste aussi à combler des trous, d'accord. Vous êtes mandaté, d'accord, pour combler là où il y a un vide, là où il y a en fait, il y a un déficit. Je suis en train de te dire que tu as été mandaté en fait par Dieu lui-même. Si tu es là, tu es connecté, tu as la capacité de combler le vide en fait dans ta famille. Peut-être en fait que ta famille a toujours été une famille très pauvre. Laisse-moi te dire en fait que tu as été mandaté pour combler le vide financier dans ta famille. Je suis en train de te dire que peut-être que tu as été une personne en fait qui a vécu dans un environnement en fait très enclin en fait à la drogue et aux armes par exemple, où la violence en fait faisait rage. Je suis en train de te dire que tu amènes la paix, tu amènes la pacification en fait avec toi. Un mouvement de paix et d'amour te soutient et te transporte véritablement et emmène toutes les personnes qui sont à côté de toi, qui sont proches de toi et qui te regardent, parce que tu es une lumière. Un pionnier est une lumière. Alléluia. Et un pionnier, et souvent, parfois, nous pensons, en fait, comme je l'ai dit, que nous pensons à tort que le pionnier, c'est souvent la personne qui vient en premier, d'accord. Dans l'histoire, on a eu, par exemple, beaucoup de personnes qu'on peut considérer comme des pionniers, d'accord. Par exemple, il y a eu Martin Luther ou Martin Luther King, d'accord. Martin Luther, un pionnier du protestantisme, d'accord. Et souvent, on se dit, non, c'est lui qui a créé le protestantisme. D'accord. Or, il y avait des personnes qui se faisaient déjà en fait tuer, d'accord, qui se faisaient déjà, ils se faisaient immoler, voilà, d'accord. On leur mettait le feu, tout simplement, par cause en fait de leurs convictions, d'accord. Le pionnier, les pionniers que nous connaissons aussi, c'est par exemple Nelson Mandela, d'accord, qui a courageusement combattu pour le droit des Noirs en Afrique du Sud, d'accord, par exemple par rapport à l'apartheid, d'accord. Il faut comprendre en fait que ces personnes-là, en fait, ce sont des pionniers, d'accord. Ce sont des personnes qu'on considère aujourd'hui comme des pionniers, d'accord. Et souvent nous pensons à tort que effectivement ce sont les premiers à avoir commencé qui sont pionniers et qui portent du coup cette œuvre-là. Regardez, lorsque nous voyons la vie d'Abraham, Abraham aujourd'hui est un pionnier dans notre foi. Et il a tellement été impactant qu'il est pionnier dans certains courants religieux, d'accord, qui ne sont pas affiliés à notre foi. Parce que l'impact en fait qu'il a eu, le leadership qu'il a eu, lui a permis en fait d'ouvrir un chemin. Ouvrir un chemin tellement fort, tellement puissant, que les gens qui étaient aux alentours, qui ne partageaient pas sa foi, se sont laissés impacter par le modèle d'Abraham. Et Abraham était un pionnier puissant. Et bien évidemment, lorsque nous voyons en fait dans certains récits et certains textes en fait, Abraham est beaucoup mis en avant. C'est le père de la foi. On l'appelle le père de la foi. Il a la paternité au niveau de la foi. Alléluia. Et nous le prenons comme exemple. Et souvent, en fait, nous oublions même parfois que, en fait, avant Abraham, il y a des gens qui ont marché dans la foi. Mais parce qu'il a eu de l'impact en qualité de pionnier, carrément, en fait, on oublie, en fait, qu'avant Abraham, en fait, il y avait des personnes comme Noé. Vous comprenez? Avant Abraham, il y avait des personnes, en fait, comme Enoch qui ont marché avec Dieu. D'accord? On oublie, en fait, qu'avant Abraham, il y avait Seth qui a donné naissance à la lignée des fils de Dieu. Vous comprenez? Son impact a été tel, en fait, que
nous voyons véritablement en fait qu'il a amené une nouvelle ère, c'est-à-dire une nouvelle manière en fait d'exprimer, d'accord, de communier avec Dieu. C'est le premier en fait qui pouvait dire que Dieu était son ami. Il avait une révélation que les autres n'avaient pas. Il avait une manière en fait de concevoir les choses qui était différente de l'époque. Alléluia. Et pourtant, ce n'est pas le premier à avoir adoré Dieu. D'accord? Par exemple, regardez, les pères pèlerins. Vu qu'on s'adresse principalement à cette zone américaine, nord-américaine et même les Caraïbes, vous n'êtes pas forcément étrangers à l'histoire des pères pèlerins parce qu'ils impactent en fait le continent américain, précisément les États-Unis, effectivement. D'accord? Les pères pèlerins, ce ne sont pas ceux qui ont découvert l'Amérique. D'accord? Ce ne sont pas ceux, en fait, qui ont découvert l'Amérique. C'est Christophe Colomb, d'accord? Un peu avant le 16e siècle, donc je crois que c'est 1489 ou 92, pardon, si mes cours d'histoire sont encore dans ma tête. Alléluia! Et vous savez, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, d'accord? Je mets bien entre guillemets parce qu'il y avait des gens avant. C'est comme si en fait tu es dans ta chambre et tu es toujours resté dans ta chambre. Hein. Et bizarrement, tu ouvres la porte de ta chambre et tu vas dans le salon et tu dis « Oh, j'ai découvert une nouvelle pièce, le salon. » Non mais c'est assez drôle hein, comment parfois, comme on dit, les vainqueurs racontent l'histoire. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. C'est le premier Européen, peut-être, et encore, peut-être c'est même les Vikings, hein, avec l'autre là, Leif là, Monsieur Leif Erikson, je crois bien. Et bon, ça c'est une autre histoire, mais c'est le premier Européen revendiqué à avoir touché les Amériques, d'accord? Et peut-être c'était le premier, mais ce n'est pas le pionnier, d'accord? Les pionniers aujourd'hui, au niveau, par exemple, des États-Unis, c'est un exemple. Ce sont les pères pèlerins, d'accord? Les pères pèlerins, ce sont des personnes, en fait, comme vous le savez, qui ont donné, en fait, aujourd'hui, du coup, des fêtes comme Thanksgiving. Ce sont des personnes qui étaient persécutées, des chrétiens persécutés, d'accord? Qui suivaient, qui fuyaient l'oppression du roi Jacques Ier, d'accord? D'Angleterre, je crois bien. Et qui ont fui, donc, du coup, l'Europe, d'accord, via l'Angleterre, pour aller exprimer leur foi, vivre véritablement, vivre leur vie de chrétien, d'accord, selon la foi, la conviction religieuse, la vision qu'ils avaient sur le continent américain, ce qui a amené ensuite une grande vague migratoire, comme nous le savons, aux États-Unis, au Canada et dans les autres, les îles, etc., 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 jusqu'en bas. D'accord? Quand je dis en bas, l'Amérique du Sud, etc. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer en fait que Christophe Colomb n'est pas, par exemple, un pionnier? Tout simplement parce qu'il n'a pas eu de l'influence. Un pionnier, c'est quelqu'un en fait qui a de l'influence. C'est quelqu'un en fait qui construit, qui s'attarde à une tâche et qui s'efforce en fait à la parachever. Et s'il n'arrive pas à la parachever de son vivant, il le lègue à ses fils et ses filles. Je suis en train de vous dire que, en fait, cette vision que nous apportons, nous ne pouvons pas, en fait, la parachever tout seul. D'accord? L'apôtre Alain Patrick Tsengue ne peut pas la parachever tout seul. Il ne peut pas être sur tout le globe. On aimerait bien, mais il ne peut pas être sur tout le globe. D'accord? Donc, il a envoyé ses fils et ses filles. Alléluia. En Martinique, il a envoyé le P.E. Linda. Alléluia. Au Canada, il a envoyé le pasteur Gentil Mafoi et la pasteur Grâce Mafoi. Alléluia. Il a envoyé. Alléluia. Le Seigneur a envoyé. Il a envoyé ses fils et ses filles. Alléluia. Pour perpétrer l'œuvre du Père. Et je suis en train de te dire, si ce n'est pas suffisant, et je pense que ce n'est pas suffisant parce que
La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Alléluia, ça veut dire qu'on a besoin de toi comme pionnier. Ce n'est pas parce que Pasteur Grâce et Pasteur Gentil sont là que tu ne peux pas mettre la main à la pâte. Ce n'est pas parce que le PE Linda est là que tu ne peux pas mettre la main à la pâte. Ce n'est pas parce que personne n'est là, peut-être, je ne sais pas, peut-être aux États-Unis, personne n'est là à Atlanta, personne n'est là à New York, aucun pasteur n'est là à Houston, aucun pasteur est là au Venezuela, aucun pasteur est là à Panama, mais je suis en train de te dire que tu es là. Si tu es là, alors tu es qualifié pour être un pionnier. Si tu es là, tu es qualifié pour embrasser cette vision. Si tu es là, tu es qualifié pour recevoir quelque chose de puissant de la part du Seigneur et marcher dans cette grâce. Alléluia. Et cette grâce, en fait, se travaille, comme je vous l'ai dit, dans la prière. Abraham était un homme qui parlait avec Dieu. Alléluia. Ce n'était peut-être pas le premier à parler avec Dieu, mais c'était le premier à ériger un nouveau chemin sur des terres inconnues. Je suis en train de te dire, peut-être qu'il y a beaucoup d'églises là où tu es. Peut-être qu'il y a beaucoup d'églises aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises au Canada. Mais je suis en train de dire que si Dieu nous a envoyés dans ta zone géographique, c'est qu'il y a une terre inconnue. Je suis en train de te dire qu'il y a une terre à conquérir. Je suis en train de te dire qu'il y a des âmes à gagner. Je suis en train de te dire qu'il y a des âmes à transformer, des nations à changer. Je suis en train de te dire qu'il y a une œuvre pour laquelle Dieu t'a mandaté. Et si tu entends ma voix, si tu vois ce programme, si tu visionnes aujourd'hui, ce soir en fait, ce live, c'est que Dieu te qualifie pour être un pionnier. Alléluia. Si tu crois en cette parole, dis « Je le crois au nom de Jésus ». Alléluia. Tu es un pionnier. Alléluia, tu es un pionnier. Malabo chanta la bachente le desente. Le pionnier, c'est celui qui a de l'influence. Alléluia. Et son influence, en fait, dépasse les générations. Alléluia. Alléluia, dépasse les générations. Son influence dépasse les générations. Son influence est léguée. Son œuvre, sa vision est léguée à des fils. Et ces fils, en fait, font des fils qui continuent la vision. Juste avant la venue de Jésus-Christ, d'accord, et juste entre la venue, l'avènement, je dirais plutôt, de Jacob, Israël, et la venue de Jésus-Christ, il y a un temps, en fait, où il y avait effectivement des hommes et des femmes de Dieu, d'accord, comme Élie, Élisée, etc., qui étaient des pionniers, d'accord. Mais toujours, lorsqu'on se référait à la foi, on se référait à qui? À Abraham, Isaac et Jacob. Trois générations. Alléluia. Je suis en train de vous dire que la grâce des pionniers réside dans le fait de former des disciples qui sont capables, en fait, de retransmettre ces choses et ces enseignements pour pouvoir parachever l'œuvre. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'après Abraham, Isaac et Jacob, il n'y a eu personne, mais les plus influents et qui ont en fait fortifié la maison d'Abraham. Ce sont ces trois, Abraham, Isaac et Jacob. Et je te vois fortifier ta maison. Là où tu es, je te vois fortifier ta maison. Je suis là, je suis en train de te dire que Dieu t'a mandaté pour pouvoir en fait contribuer à la maison, à sa maison, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Celui qui est un pionnier, c'est quelqu'un qui a de l'influence, une influence transgénérationnelle, une influence qui crée des maisons, une influence qui crée des dynasties. Je suis en train de vous dire, le pionnier, c'est celui qui amène un mouvement, en fait, lié à une dynastie. Et il y a une dynastie, en fait, qui est en train de s'ériger sur ces continents, sur ce continent nord-américain, sur ces îles des Caraïbes, dans le puissant nom de Jésus. Laissez-moi vous dire que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir véritablement, en fait, sur ces continents pour votre bénédiction, pour la bénédiction de vos proches, pour la bénédiction de toutes les personnes autour de vous. Alléluia. Et lorsque nous voyons, en fait, la manière dont le Seigneur voudrait que nous puissions faire les choses, d'accord, c'est toujours sur la base d'un principe qui régit l'univers, un principe en fait qui était là au commencement, un principe que Dieu utilise depuis la nuit des temps. Et ce principe,
c'est la foi libérée par la parole de Dieu. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, 1 Jean 5, 4 va dire ceci. Regardez. 1 Jean 5, 4. Voici une clé dans la conquête. La Bible va dire parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Amen. Si tu es né de Dieu, mets dans le chat, je suis né de Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais j'ai une version en fait qui est pas mal. D'accord. Ma version va dire ceci. C'est une version de la Bible, hein. C'est pas ma version, genre j'écris une Bible. Chaque personne engendrée par Dieu conquiert les voies du monde. La puissance conquérante qui met le monde à genoux est notre foi. Alléluia, la puissance conquérante. Laisse-moi te dire que lorsque tu marches véritablement dans cette vision de la grande conquête, tu marches dans la puissance conquérante. La foi que tu es en train de déployer, lorsque tu es en train de faire tes réunions de GR, lorsque tu viens, lorsqu'il y a des séminaires, c'est cette puissance conquérante qui est en train de s'attacher à toi. C'est cette grâce, cette puissance conquérante qui est la foi pour faire des exploits, la foi pour faire véritablement des disciples, la foi pour le miraculeux, la foi pour la résurrection des morts, la foi véritablement pour faire au-delà de ce que l'œil n'a vu et l'oreille a entendu. Laisse-moi te dire en fait que tu vas faire plus. Tu vas faire plus que tes pères. Laisse-moi te dire que ce n'est que le début. Ne pensez pas que c'est une fin. Ce n'est pas du tout une fin. Mes frères et sœurs. Le fait qu'on envoie des pasteurs dans vos zones géographiques, ce n'est pas du tout une fin. C'est un commencement. Parce que laisse-moi te dire que le prochain, c'est toi. Le prochain qu'on envoie, c'est toi. Laisse-moi te dire que tu dois te préparer parce que le mouvement du Saint-Esprit est en train de défouler dans les villes, dans les villages, dans les nations, dans le puissant nom de Jésus. Là où tu es, tu peux élever la voix. La puissance conquérante qui met le monde à genoux et notre foi. Redaso kimbra diamoso tola magenda la mazo marada senka radasia robo chapra de kendele dese moko bredezeli maramazete le de chanda la bazente moko radizala mala magente li abrosoto marada seka prada kamarada rodo senta la bachente lebe la puissance conquérante qui met le monde à genoux marade sente lebe sho la puissance conquérante. Alléluia. Tu es un pionnier, tu peux être un pionnier dans ton champ, dans ton secteur d'activité. Peut-être que tu es étudiant, tu peux être un pionnier. Tu peux être une personne qui influence et qui influence tellement que même lorsque tu vas quitter ton université, oh, je suis en train de prophétiser. Je te vois dans ton université, dans ta business school. Alléluia. Après ce live, allez dans ta salle d'examen. Alléluia. Dans ta salle de classe. Et quand tu rentres seulement, on se demande même qui est-ce qui est en train de rentrer. Qui est cette personne? On ne l'avait jamais vue à la faculté. On ne l'avait jamais vue dans la business school. Oh, mais tu dis, mais non, c'est moi, c'est Laurent. Non, mais c'est moi, c'est Kayla. Oh non, mais c'est moi. Et tu es en train de montrer tout simplement la gloire de Dieu, faire rejaillir la gloire de Dieu. Et je te vois en fait en train véritablement d'émaner véritablement l'onction de Dieu autour de toi. Et je vois les personnes autour de toi en train de ressentir la présence de Dieu. Les personnes autour de toi en train de tomber sous la présence du Saint-Esprit. Et le professeur dira, on n'a jamais vu un tel phénomène depuis que cette business school
a été fondé. Et je suis en train de te dire que là, on parle de toi. L'onction pour la conquête, l'onction pour conquérir, l'onction pour arracher les âmes. Dans la vie, on ne te donne pas ce que tu veux, on te donne ce que tu arraches. Alors laisse-moi te dire que tu as besoin de cette foi conquérante. Tu n'as pas besoin de simplement espérer, tu dois rentrer dans la foi conquérante. Alléluia. Et tu rentres dans la foi conquérante. Mets dans le chat. J'ai la foi conquérante. Alléluia, la puissance conquérante qui met le monde à genoux. Mazi kandeli dazotanda limro, qui met le monde à genoux. Mazanta labache telebe soto lobo shanta. Yandaraba. Celui qui est pionnier, c'est celui qui se positionne en qualité de fils et de fille. Regardez, les différents espions étaient des chefs de famille. D'accord ? C'était des personnes qui étaient positionnées. Mais ce n'étaient pas des personnes, d'accord, qui avaient touché véritablement le cœur de Dieu. C'est des personnes qui étaient positionnées, mais ils n'avaient pas le langage de la conquête. Ce n'est pas parce que tu es positionné quelque part que tu as le langage qui incombe à ta position. Il y a des personnes, vous savez, dans l'histoire, souvent il y a des rois qu'on a souvent critiqués parce qu'ils ne tenaient pas leur position, parce qu'ils avaient eu le titre de roi sur la base de la naissance. Et souvent, ça a été critiqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démocratie. Il y a beaucoup plus de démocratie, d'accord, que de royaume ou même d'empire. Je pense qu'il n'y a même plus d'empire à l'heure actuelle, d'accord. On pense plus à des présidents, des personnes qui n'ont pas d'affiliation directe, mais qui, eux-mêmes ont compris la philosophie et la vision dans laquelle le pays doit avancer, d'accord. Ce n'est pas parce que tu es fils ou fille de quelqu'un, tu penses être fils ou fille de quelqu'un. Non, ce n'est pas parce que tu penses être enfant de quelqu'un, affilié à, que tu es fils. Le fils, c'est celui en fait qui donne et partage la vision. Partout où il va, il respire le nom de son père, il respire le nom de ceux qui l'ont engendré dans l'esprit. D'accord ? Laisse-moi te dire que ces chefs de tribu n'avaient pas le langage de la conquête, parce qu'ils n'étaient pas proches de Moïse comme Josué et Caleb étaient proches de Moïse. Amen. Et parfois, en fait, on pense qu'être proche d'un leader, c'est forcément être tout le temps avec lui. Oui, il faut être avec lui, il n'y a pas de problème. Mais il faut être surtout là avec lui lors des moments difficiles. Lorsqu'il y avait des combats, qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui se passait ? Regardez, par exemple, lorsqu'il y avait des combats, Aaron et Hur tenaient les mains de Moïse pendant que Josué était en train de se battre, en fait, pour pouvoir, en fait, tout simplement gagner la bataille. Vous devez être des personnes, en fait, qui ne fuient pas les responsabilités. Ces chefs de tribu étaient peut-être positionnés, mais au moment de se bagarrer, ils ont fui. Ils ont dit non, on ne peut pas parce qu'ils sont trop puissants. Non, on ne peut pas parce qu'il y a trop de contraintes. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais laisse-moi te dire que tu peux, tu as la capacité. Si tu marches avec tes pères, si tu reçois véritablement la vision et cette grâce qui repose sur les pionniers, parce que cette grâce est communiquée aujourd'hui, cette grâce est communiquée par rapport au fait de rester connecté, de rester attentif, de rester au chevet, de rester lors des moments, les bons moments, mais aussi lors des mauvais moments. C'est ça, c'est en ça que réside la grâce des pionniers. C'est des personnes en fait qui ont frayé des chemins. Tu vas frayer un chemin là où d'autres personnes n'ont pas forcément fait les mêmes sacrifices. Laisse-moi te dire, effectivement, il y aura des moments, il y aura des combats que tu vas devoir faire, certains combats que tu vas devoir remporter pour pouvoir faciliter la tâche à d'autres. Regardez, lorsque David va tuer Goliath,
Après ça, je pense qu'il n'y a aucun roi dans sa lignée qui a eu besoin de tuer des géants. Laisse-moi te dire, les géants que tes pères ont tués, tu n'auras pas besoin de les tuer. Laisse-moi te dire, les problèmes financiers que tes pères ont déjà vaincu, tu n'auras pas besoin en fait de pouvoir en fait te battre contre ces problèmes. Et laisse-moi te dire que les combats que tu feras, les personnes sous ton leadership n'auront pas besoin de les faire parce que tu auras déjà déployé quelque chose de plus fort, déployé la force, la puissance conquérante via la foi, cette foi qui met le monde à genoux. Alléluia, qui met le monde à genoux. Alléluia, alléluia. Je vois les problèmes financiers à genoux au nom de Jésus. Je vois les démons de ta famille, les sorciers de ta famille à genoux au nom de Jésus. Je vois toutes les personnes qui te critiquaient venir te demander pardon et venir dans ton église, dans l'église dans laquelle est affiliée à ta mission au nom de Jésus. Alléluia, je vois des personnes véritablement mettre à genoux toutes les choses qui voulaient les soumettre. Alléluia. Je te vois mettre véritablement ton master à genoux. Ton master, tu l'auras. Alléluia. Ton bachelor, tu l'auras. Au nom de Jésus. Par la puissance conquérante. Alléluia. Il y a une personne qui pensait en fait un peu moins s'investir dans toutes ces choses parce qu'elle avait peur en fait de trop s'investir parce que effectivement elle est là pour ses études, etc. et tout. Depuis tout à l'heure, je pense véritablement à ça. J'ai cette image dans mon esprit. Laisse-moi te dire en fait que occupe-toi des affaires du Père et il s'occupera de tes affaires. Soyez courageux. Soyez courageux. Une des caractéristiques, et je vais terminer avec ça. Les caractéristiques d'un pionnier. Premièrement, c'est un homme de prière. Il trouve son plaisir dans la prière et dans le fait de communier avec Dieu. D'accord ? Il y a une histoire. Bon, j'avais mon petit livre, mais bon, je pense que je vais m'arrêter à là parce que sinon je vais dépasser le temps. Il y a l'histoire d'un homme qui, 200 ans après la révolution de Martin Luther, qui a permis du coup aux chrétiens d'avoir des Bibles chez eux et de pouvoir exprimer de manière nouvelle leur foi, hein, parce que c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous regardez mes autres messages, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. 200 ans après cette révolution, les 99 thèses de Martin Luther, il s'est passé pas mal de choses en fait. Il y a eu un vrai mouvement qui a été libéré. Et il y a deux hommes, d'accord, un homme qui s'appelle Monsieur Ludwig von Zinzendorf, d'accord. C'était un comte allemand qui possédait des terres, d'accord. Et à cette époque-là, il y avait une foi tellement fervente au milieu de l'Europe, d'accord. C'était pendant le siècle des Lumières, ce n'est pas un hasard qu'on appelle ça comme ça, parce qu'il y a eu un vrai mouvement qui s'est mis en place à ce moment-là. Il a rencontré une deuxième personne qui s'appelle Ruth, d'accord. Et ces deux-là se sont mis en commun. Et premièrement, ils avaient véritablement envie de pouvoir influencer. Parce que c'était un comte, la première personne était un comte, l'autre c'était une autre personne, je pense que c'était une personne quelconque, entre guillemets. Monsieur Zinzendorf, on va l'appeler comme ça, était vraiment, vraiment riche. C'était un comte, il possédait des terres. Et au moment de certains problèmes qui sévissaient l'Europe, parce qu'on chassait encore certaines personnes sur la base de leur foi, surtout les personnes qui étaient protestantes, il y a eu des mouvements de foule. Ces mouvements de foule ont entraîné des personnes qui se sont retrouvées sur les terres de Zinzendorf, comme par l'Esprit de Dieu. Et M. Zinzendorf a toujours eu envie, depuis son jeune âge, de servir Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Le gars avait des châteaux et des terrains, des hectares et des hectares. Voilà, il avait vraiment des terrains. Il a construit, du coup, avec Monsieur Rothe, du coup, un village. Et dans ce village, il y avait toutes les personnes, d'accord, qui voulaient adorer le Seigneur, qui s'y retrouvaient, d'accord. Il y avait même des personnes proches dans les autres villages, d'accord, qui venaient parce que tellement Monsieur Zinzendorf en fait se mettait à prêcher pendant des heures et des heures et des heures que
le mouvement de l'esprit faisait que des personnes se repentaient autour de lui, d'accord, même à des kilomètres, et qui venaient jusqu'à l'endroit pour pouvoir s'y établir comme dans un refuge, pour pouvoir ensuite, eux, de la même manière, prier, adorer le Seigneur. C'était vraiment comme un Éden, en fait, hein, leur œuvre là. Et ils ont commencé à faire plusieurs réunions. Et l'intensité des réunions ne faisait qu'augmenter. Et la foi, en fait, de M. Tinzendorf ne faisait qu'augmenter. Ils avaient une vision. Et ils se sont fait comme un pacte, un serment. Premièrement, être fidèle à Christ, être bon envers tous les hommes, annoncer l'évangile dans le monde. C'était ça leur vision. Une vision très simple, mais qui regroupe énormément de choses. Et leur mot d'ordre était la prière. Ils priaient tellement. Et ils emmenaient des femmes, des enfants, même de bas âge. Et il y avait vraiment des prodiges et des miracles. Là, on parle du 18e siècle. Et c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont commencé à se dire, mais en fait, on veut tellement le réveil. En fait, on veut tellement plus de la présence de Dieu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... My God. Regardez la foi de certains hommes. Ils se sont dit, on va prier pendant 100 ans. Non-stop, 100 ans là, on va prier. On va prier pendant 100 ans. Les gars se sont mis en tête d'avoir une organisation dans laquelle chacun fait un relais de prière pendant 100 ans. Tant qu'il n'y a pas des bouleversements dans ce monde, je ne lâcherai rien. Laissez-moi vous dire, peut-être que ce gars n'était pas Martin Luther. Peut-être ce gars n'est pas aussi connu que Martin Luther, mais ce gars est un pionnier. Ces gars sont des pionniers. Pourquoi? Pendant 100 ans, ils ont prié dans une époque où il y avait des balbes, en fait comme des petits... J'avais déjà expliqué ça dans mon préambule, la chasse aux sorcières. Juste avant, on avait passé des siècles et des siècles vraiment où il y avait quelques thaumaturges et quelques hommes de foi, mais il n'y avait pas de mouvement très tranchant, puissant, révolutionnaire dans l'esprit. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, effectivement, ils ont commencé à prier pendant 100 ans. 100 ans non-stop. Non-stop, ils ont commencé à prier, faire des tours de prière. Vraiment des tours de prière. Ils se relayaient avec foi et pendant 100 ans, c'est-à-dire 24 heures sur 24. C'est pas je prie un peu, après j'arrête. Pendant 24 heures, pendant 100 ans, 24 heures sur 24, ils priaient, ils cherchaient Dieu, ils priaient pour le réveil, ils priaient pour que la gloire de Dieu descende, pour que les choses de l'esprit se manifestent, pour qu'il y ait un mouvement puissant, en fait, dans l'esprit, que cette Europe puisse bouger, pour que le monde puisse bouger. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un autel de prière qui a été érigé à cet endroit-là. Et cet autel de prière a tellement fait bouger les choses. Laissez-moi vous dire que lorsqu'ils ont commencé à prier, il y a eu des tremblements de terre qui se sont opérés dans cette région. Vous vous imaginez, les personnes prient tellement qu'il y a des tremblements de terre. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas ça. C'est que lorsqu'ils ont arrêté de prier, du coup, lorsque les 100 ans on se sont arrêtés, c'est là que les premiers, ce qu'on appelle dans l'histoire de la chrétienté, le premier grand réveil avec des personnes comme Charles Finney se sont opérés exactement à partir de 1831. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu veux le réveil, prie. Sois un pionnier qui aime marcher véritablement dans un esprit de prière. Un pionnier, c'est quelqu'un qui a un esprit de prière. Et je déclare au nom puissant de Jésus que pendant que tu as entendu ça, je sais, je crois et je déclare que sûrement il y a une semence. Et même je crois et je confesse véritablement qu'il y a une semence de foi qui a été libérée. Et je déclare maintenant que toutes les personnes qui croient véritablement au ministère de la prière, à l'esprit de prière, vous recevez maintenant. Vous recevez maintenant, là où vous êtes, élevez simplement les mains et recevez simplement cet esprit de prière afin de pouvoir conquérir, afin de pouvoir arracher les âmes au diable, afin de pouvoir
faire la différence. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. C'est la grâce qui fait la différence. C'est Jésus qui fait la différence. Au nom de Jésus. Alléluia. Malaba chetele de chantalaba. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Dernière caractéristique. Aux deux dernières caractéristiques. Il est prêt pour le travail de son caractère. Un pionnier est prêt pour le travail de son caractère. Alléluia. C'est un homme qui a soif du réveil, comme je l'ai dit. Et il marche dans la mimshak de Dieu. Dans l'influence, dans l'onction pour l'influence, pour l'expansion. Alléluia. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode de la grande conquête. Ne ratez surtout rien. Alléluia. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur pour ce qui vient de se passer. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Pour ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. J'espère véritablement que vous avez été bénis, que vous avez été encouragés pendant cet épisode de la Grande Conquête. Ne ratez surtout pas la suite. Véritablement, c'est pas moi qui va prêcher, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va également apporter des éléments pour que nous puissions aborder cette Grande Conquête dans un esprit de foi, dans un esprit de prière, dans un esprit de consécration. Alléluia. J'aimerais simplement terminer en priant, d'accord? Je vais simplement prier pour toutes les personnes. Toutes les personnes, peut-être vous avez des problèmes, d'accord? Au niveau de votre santé, c'est-à-dire vous avez peut-être des infirmités, vous avez peut-être mal au dos, mal au genou. Quelle que soit la maladie, aujourd'hui elle va être chassée au nom de Jésus. Alléluia, la deadline de ta maladie aussi là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Ok, là où vous êtes, faites simplement un exercice. Vous mettez simplement votre main là où vous avez mal et on va déclarer simplement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais j'aimerais qu'on puisse libérer notre foi premièrement. Mets dans le chat, Jésus guérit. Alléluia. Jésus guérit. Jésus guérit. Alléluia. Amen, amen. Allez, Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Ok. Jésus guérit. Dans ta langue natale, Jésus guérit. Ok, gloire à Dieu. Alléluia. Je vais simplement libérer la parole de foi. Seigneur, merci véritablement pour toutes les personnes ici présentes, quelles que soient les infirmités maintenant, problèmes de genoux, problèmes de dos, problèmes à la tête, problèmes de cancer, tumeurs au cerveau, tu disparais, tu dégages maintenant au nom de Jésus, par l'onction de Dieu, par l'Esprit de Dieu, maintenant tu pars et tu dégages, maintenant, tu n'as aucun pouvoir, aucune autorité, aucune force. Je déclare maintenant que toute personne de 50 ans et plus, maintenant, toutes les personnes qui ont comme des cancers, s'il y a des personnes dans vos familles qui ont comme des cancers ou qui ont été diagnostiquées par des tumeurs ou des maladies qui sont liées véritablement à ces choses, en fait, là où vous êtes, prenez-leur la main. Prenez-leur la main. Alléluia. Il y a un transfert qui va s'opérer. Il y a véritablement un transfert qui va s'opérer. Je déclare maintenant au nom de Jésus, maintenant, Malikaze, je viens menacer maintenant par le doigt de Dieu maintenant toute maladie qui voulait s'immiscer dans les corps. Tu dégages maintenant dans le nom de Jésus. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant dans le puissant nom de Jésus. Esprit de Dieu, maintenant, fais ton œuvre. Seigneur, merci. Parce que l'onction de Dieu se diffuse maintenant dans tout le corps, de la tête jusqu'à la pointe des pieds, dans le nom de Jésus. Je le déclare et je le prophétise, la restauration totale des membres. Je vois même une personne comme si tu as comme 54 ans, mais la maladie t'a tellement affaibli. Pendant que je suis en train de parler, même si tu m'écoutes depuis l'hôpital ou je ne sais où, commence à essayer à bouger tes membres. Les membres de ton corps, je ne sais pas la maladie que tu as. Commence à bouger les membres de ton corps. Commence à croire véritablement que la foi a été libérée
maintenant au nom puissant de Jésus, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je viens prier maintenant pour tout esprit maintenant qui veut mettre la confusion également dans la vie des futurs serviteurs de Dieu qui m'entendent et qui m'écoutent maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'aucune confusion n'a de pouvoir sur vos vies. Vous avez l'esprit clair. Personne ne vient vous déclarer, vous décourager. Personne ne va vous influencer à pouvoir poser des actes que vous ne voulez pas dans le nom de Jésus. Je déclare une huile de consécration au nom puissant de Jésus. Une huile, la meilleure maintenant, qui coule sur vous dans le nom puissant de Jésus. Car là où nous sommes réunis, nous sommes tous réunis, là où coule l'huile la meilleure, parce qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alors je déclare et je prophétise maintenant que cette huile coule maintenant, cette huile fraîche qui coule dans le nom puissant de Jésus. Toute maladie, problème de dos, problème maintenant. Je vois comme une personne, comme si tu as pris des médicaments par rapport à une maladie, mais ça s'est aggravé. Je déclare maintenant que tout verdict négatif qui s'est incrusté dans ton âme et qui refuse de libérer la force curative, maintenant je déclare au nom puissant de Jésus que la force curative est libérée dans le puissant nom de Jésus. Alléluia, je le déclare, reçois la parole de foi, reçois la parole de guérison dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Et je crois véritablement que le Seigneur vous a parlé aujourd'hui. Si tu crois que le Seigneur t'a parlé, dis le Seigneur m'a parlé. J'aimerais véritablement remercier et honorer, parce que je ne l'ai pas fait au début, je le fais au moins à la fin, honorer véritablement l'apôtre Alain Patrick Tsengue, celui qui me permet aujourd'hui de me tenir devant cette chaire. J'aimerais honorer également le pasteur Paulette, la pasteur principale de Paris, d'accord, le pasteur dans mon église, alléluia, qui me permet véritablement de me déployer. Franchement, je suis tellement heureux d'être dans cette église à Sœur Paris. Je bénis mon mentor, le pasteur Darius Rukambura, celui qui m'a appris les rudiments de la foi et du ministère. Alléluia. Sa merveilleuse épouse, maman Chantal Rukambura, véritablement, que le Seigneur l'élève, que son niveau véritablement de sagesse se déploie encore plus qu'auparavant, parce que c'est une femme tellement sage. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vous remercie, vous, et je vous honore de votre présence. Franchement, vous m'honorez énormément. Alléluia, j'en perds même mes mots. Et franchement, restez vraiment connectés, stay focus. Alléluia, sur ce qui est en train de se passer, car l'Esprit de Dieu n'a pas fini de faire des merveilles avec vous. Vous êtes des témoignages, des pionniers dans le nom de Jésus. Amen. C'était le frère Benjamin. On était sur Évangile TV, la grande conquête. Et vous avez été bénis, j'ai été béni, nous sommes bénis.